Donc on était jeudi, il nous reste plus que vendredi et après on attaque le week-end. Friday, Friday is a... Non, je déconne, excusez-moi. Le mec, il est en train de ruiner vos oreilles. Bon. Stupid alternator. Let's see. Get alternator, ok, donc avoir un alternateur. Ok, j'ai un paquet à récupérer, apparemment à la poste. Je vais pousser. Parfait, Sancher, ok, d'accord. Oh, allez voir l'oncle Dev. Ah oui, c'est l'anniversaire d'Oncle Dev. Oh oui, Oncle Dev. Mon dieu, ce personnage dans le film. J'aime cet homme. J'aime juste cet homme. Alors... ATF stand-up, culte. Écoutez, je vous laisse mettre pause et puis traduire un maximum de trucs. Hein. Le napalm, la facture de napalm a encore fermé pour toujours. Voilà, allez, hop. The Paradise Times. Allez. Ah, je suis plus seul, d'accord. J'ai déjà un gelé par balle à fond. Vu que j'ai pas eu d'ennui avec la police pour revenir. Ah, c'est vraiment efficace, n'empêche. Coup de machette dans la nuque. Clock. Bon. Alors moi je propose c'est qu'on aille voir directement, c'est le meilleur... Ah non Oh, le plus proche c'est le package, on va aller chercher le package. On ira voir, on ira entre... Allez, on garde le meilleur pour la fin, oncle Dev à la fin. J'aime cet homme. Quoi que tu fais ? Ah oui merde, tu peux... Ça y est, tout de suite, je suis plus en habit de flic, terminé quoi. On est plus copains quoi. Bon. Je vais me mettre par là, mais c'est juste en attendant. Il y a de la dynamique là-dedans. C'est juste en attendant que ça diminue mon... D'accord, donc apparemment la machette est considérée comme une arme trop dangereuse pour que je puisse me balader avec impunément. Ouais.
Bon, toi. Les chiens m'ont mordu, j'ai porté plainte contre toi, espèce de connard. Il était armé en plus. Bon. Allez. Je vais aller chercher ce putain de... Pardon, excusez-moi, je deviens vulgaire. Qu'est-ce qui t'a dégueulé, toi? Tiens. Je te refais la trachée, comme ça t'auras plus à dégueuler. Oui, ce jeu est vraiment gore, hein. Et je compte continuer avec un autre FPS après. Je vous le dis. Mais un peu plus connu et plus soft, quand même. Pas déconner. Oh, toi. Merde. Oh mon dieu, j'ai sauté par-dessus. Oh la vache. Putain, comment je peux l'avoir celui-là?
Ok, je l'ai eu. Juste attendre que mon... Bon, toi, je suis désolé, hein, mais... Je t'achève. Bon. Alors. Un autre problème, c'est lui. J'aime les animaux. Pas les récupérer, je... Bon, heureusement il me semble avoir vu. C'était un point d'observation, mais... Ah oui, ok. Ah oui, je sais que tu as besoin de récupérer tes pièces immédiatement, mais... Pas vu que c'était Bagdad ici, Mac. Merde, je tiens une balle pour rien. C'est pas ici quand même. Un peu plus loin. Bon, pour l'intérieur, la machette. Et j'ai en plus ce qu'il faut en... Bon. J'ai la nourriture. Récupérer quand même un peu de heal. Ce que j'aimerais, c'est un pack de soins. Bon. 59, c'est pas encore trop dramatique.
C'est là, c'est... Les flics, bah vas-y. Bon, ça peut. C'est pas là d'être ici. Sa baraque. Bon, faudrait une petite tapisserie avec, mais ah. Pourquoi il y avait un militaire ici, on sait rien. Ça me saoule, je vois pas où c'est. Apparemment, ça serait ça. Non, ça peut pas être ça. Je suis au bout de la carte là, je... Ok, d'accord, j'ai compris. Excusez-moi. En fait, il faut que je passe... Eh, bien sûr, on voit pas ma souris. Bon, j'ai compris, hein. J'ai compris par où il fallait que je passe. Faut juste que je sois prudent vis-à-vis des terroristes qui sont dans le secteur. Les agents, protégez-moi. Alors, oui, je sais pas pourquoi je prends cette voie. Ok, quand même. Bon, je vais essayer de me tenir à carreau, hein, parce que là, ça... Les flics sont relativement nombreux. Où est la réception? Ah. Hi there. Hey. I've got a note that says there's a package for me. Last name's Dude. Let's see here. Yes, Mr. Dude. We do have a package for you, but there's some postage due on it. Shit. I'll have somebody fetch it. Sounds reasonable. Okay. Bon, j'avais assez d'argent pour... Hey, you! Ouais, non. Il y a embrouille.
Notre armée, enfin, notre colis, c'est une bombe. Que je prenne d'huile. Oh merde, j'ai pris le truc qui... J'ai pris le truc qui ralentit le temps là. De chat là. Ok. Ok. Ça n'a aucun sens. Elle est encore en vie, elle. Il va bientôt plus avoir de la sniffer. Différent. On est dans un labyrinthe, c'est plutôt...
Du moment qu'ils sont occupés, de toute façon, ils se mettent en fuite. Donc une fois en fuite, dans un sens, on est tranquille. Changer de technique parce que là ma vie descend trop vite. C'est pas sérieux, elle avait pas tiré au lance-roquette quand même. Ok, on s'est mis à deux les postiers. Alors l'alternateur. Ouais, ça, on va aller faire l'alternateur, puis après on ira voir l'oncle. Oh merde, je viens d'oublier son nom. Oncle Dev. Bien sûr, oncle Dev quoi. Ah oui, ok, oui. Non, je pensais que c'était le truc de Donuts, mais non. Dessus mais merde, je sais pas ce qui ah d'accord, il y avait un terroriste sur le toit, on l'a vu pendant le chargement. Ok oui, parce que je me disais merde. Bon alors tout droit, pas compliqué, c'est tout droit. Aidez-moi! Mon de Dieu! Me fais tirer dessus! Heureusement qu'il tire comme des pieds! Heureusement que je suis en tout easy! Ah oui, parce que faut avoir un niveau de difficulté supérieur, enfin supérieur à average, il vous rate pas. Enfin, il me semble. Il me semble qu'ils sont vraiment plus durs. Bon bah oui bah oui, je suis obligé de suivre la route visiblement, donc donc l'alternateur ça dépend de notre voiture. Et après on va aller voir l'oncle Dev. Putain il est génial ce mec. Je sais plus qu'est-ce qu'il faisait Je connais plus le nom de son acteur, enfin le nom de l'acteur qui jouait Oncle Dev dans le film. Attendez, hop.
Oncle Dave. Postal. Attendez, je regarde juste sur internet le... qui jouait ce rôle. L'acteur, il me faisait vraiment marrer. Autant des films. C'est Dave Foley qui jouait le rôle de l'oncle Dave. Sa voix en français, c'est Jean-François Vléric. Voilà. Petite... Ouais, c'est Dave Foley ouais, qui jouait ce rôle-là. Il a vraiment à avoir une tête de con dans ce film, c'est vrai que c'est vraiment génial. Hop, tant que d'ici, je mange un petit peu. Alors... Donc là, on est dans la zone Indus, hein, de toute façon. On a bien compris. Ici, je pense que je peux me balader avec une arme en toute sécurité. Ah non, 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 non. Le mec. J'ai parlé trop vite. Ouh la vache, j'essaie de traîner de sang. Bon bah allez-y, hein. Vas-y, tiens, je me colle même à toi. Allez. Oh, vas-y. Alors là je dis vas-y. Attends, le mec il se ramène au lance-roquette face à moi, je vais bon vas-y. C'est obligé. Vas-y. On est tous ensemble là, vas-y, c'est de tous sauter quoi. Moi je dis vas-y. Ah bon. Oh non, je viens. Et moi qui me dis, ouais, je peux me balader avec une arme ici sans problème. Nope. Le jeu qui dit nope. Ah oui, la casse. J'ai vu le mot fuck sur le panneau, mais j'ai pas compris le reste. On peut le voir ou pas? Ouais. The G is for John Kidd, your fuck bullshit pool. Hein? You fuck balls, your fuck ball shit pool. Non, chipo. Je regarderai la traduction parce que là, la fin de la phrase, je la comprends pas. Pau, c'est... Enfin... Fuckball... Shit, pau, mais... T'as l'impression que ce sont des mots vulgaires, mais random. Hola. Hi there. Hey, Chico, I need an alternator for an 87 to fuck you. That'll be 500 bucks. Bon. Je les tue maintenant pour histoire de me dire au moins je me ferai pas chier après quoi. Bon, l'alternateur est là. Juste avant. Alors, ça donne de la vie. D'accord.
D'accord, ça je l'ai mis à on, je sais pas ce que ça fait. Large mouvement. Oh merde, t'es con, bon. Je voulais pas faire ça. Next. Next, allez, j'ai l'alternateur, mais... Bon, j'ai pris la drogue, mais... Ouais, non, c'est bon. J'ai eu peur que la cinématique arrête les effets de la drogue. Ok, d'accord. Je peux pas sauter dessus. Les gamelles qui... Non, c'est pas ça. Là, je sèche, là, je me souviens plus. J'ai vu ça, j'ai fait elle est toxique. C'est la machette qu'il me faudrait. Ok, j'avais pas vu ça. Bon, je demeure coincé. J'adore les écrans qui sont pas branchés et qui arrivent pourtant à afficher les trucs. Et ben voilà. Quoi, c'est pas ça? On aurait dit pourtant. Bon. Non, ce sont vraiment des murs. Donc, on ne peut pas passer par là. Et par là, il n'y a rien.
Bon, là, attendez, un instant. Il me semble qu'il y a un truc avec ça, mais... Quelque chose a monté quelque part, il me semble. Ah, c'est pas vrai, excusez-moi, je suis bloqué, je vais faire une ellipse. Bon ok, j'ai trouvé, il y a un passage dans le labyrinthe que j'ai dû rater et résultat, donc il y a juste cet endroit, voilà, à passer avant que ça nous écrase. Et on continue, alors, ça m'a pris 5 petites minutes, même pas. Et de toute façon, on est, à mon avis, au bout de mon disque dur. Ouais, ça fait 4 heures que je tourne pratiquement. Enfin non, moins que ça, c'est ouais, 3 heures. Donc je pense qu'on va juste se dépêcher d'aller chez l'oncle Dev en espérant que le disque dur ne lâche pas d'ici là. Ben juste une petite minute, je regarde où en est mon disque dur. Bon, normalement ça passe, on a le temps d'aller voir l'oncle Dev. On va juste ranger ça. Donc on a le temps d'aller jusque chez l'oncle Dev, enfin jusqu'à Running with Scissors, hein, vu que c'est là que se trouve l'oncle Dev dans le jeu. Ah ouais, putain, je me souviens, dans le film, en fait, l'oncle Dev, il a monté une secte. En gros, c'est ça, quoi, il a monté une secte et... non, pas par là, on va plutôt passer de l'autre côté. Ça ira plus vite. Bon, arrête ça. Il arrête pas de se répéter, c'est assez agaçant. Les tanks sont un peu mal foutus. Hein. C'est par là. Par là. Vous êtes sérieux? Patrouille anti-ours polaire? Non mais... Attendez, on va s'arrêter là, une minute, je veux dire. Ça c'est le dernier jour du jeu, c'est là où on va voir plus de choses, c'est là où ça va être un peu plus long. Hein. C'est quoi la phrase en haut? C'est... D'accord. Plan d'urgence. Ah, je suis déjà... Bon, ok. Je prends déjà ça. Il y a énormément d'armes dont je ne me suis pas servi.